Donc, bienvenue tout le monde à cette conférence de CEF de Patricia Raymond. Ça fait plaisir de présenter Patricia, qui est forestière de la faculté de foresterie, de géographie et géomatique. Puis ensuite, elle a fait une maîtrise et un doctorat ici à la faculté également. Elle est spécialiste en écologie et sylviculture de la forêt mixte. Et puis, elle est au ministère des forêts, faune et parcs depuis 2002 comme chercheur scientifique. Puis aujourd'hui, elle va parler de son dispositif DREAM qu'elle a mis en place il y a quelques années pour regarder comme un premier dispositif opérationnel de migration assistée au Québec. Donc, Patricia, je vous laisse la parole. Merci à tout le monde d'être présent. C'est vraiment, je suis très heureuse d'avoir cette occasion de partager avec vous des résultats tout nouveaux, fraîchement analysés de notre plus récent projet de recherche, établi en collaboration avec un groupe de chercheurs. Donc, moi, comme professionnelle de la forêt, j'ai quelque chose qui me dérange. Il faudrait que je tasse la petite barre d'accord. On va pas laisser la technologie nous affecter. Je voudrais juste enlever ça. Bon, OK, super, on est parti. Bon, moi, comme professionnelle de la forêt, la question de l'adaptation au changement climatique est vraiment très importante et souvent je me pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour aider nos forêts à composer avec le climat de demain? Le climat de demain, parlons-en. On prévoit un changement rapide des conditions climatiques d'ici 2100. Par exemple, pour la région de Québec, on prévoit une augmentation de la température annuelle moyenne de l'ordre de 2 à 6 degrés Celsius d'ici 2050 et de 2 à 8 degrés Celsius d'ici 2100. Donc, c'est quand même pas rien. On prévoit également un allongement de la saison de croissance de l'ordre de 20 jours, donc pratiquement 3 semaines. Et aussi un changement dans la saisonnalité des précipitations, soit davantage d'épisodes de sécheresse en été et moins de neige en hiver. Donc, il peut quand même y avoir des conséquences sur nos forêts. À long terme, ces changements pourraient modifier la composition et la productivité des forêts, étant donné l'effet direct des conditions climatiques sur les processus tels que la germination des semences, l'établissement, la croissance et la survie des arbres. Les changements climatiques auront aussi des effets indirects à cause de leurs effets sur la dynamique des perturbations naturelles telles que les incendies de forêt, les insectes, les maladies. Mais ce qui est particulièrement préoccupant, c'est le constat que les changements climatiques se font à un rythme beaucoup plus rapide que la vitesse d'adaptation et de migration naturelle des espèces qui composent aujourd'hui nos forêts. Et certaines espèces pourraient se retrouver mésadaptées aux nouvelles conditions. Voici un exemple de projection d'habitat potentiel des arbres pour le chêne rouge et le devenir de l'habitat modélisé pour la fin du siècle. En Amérique du Nord, les projections anticipent généralement un déplacement de l'habitat favorable aux espèces, se traduisant par des gains potentiels d'habitat au nord de l'aire de répartition actuelle, comme on voit ici sur la figure en violet. Donc, au Québec, on pourrait avoir un nouvel habitat favorable au chêne rouge dans le futur. Mais on voit aussi que ces changements climatiques, ces pertes d'habitat, ces modifications pourraient se traduire par des pertes d'habitat au sud de l'aire de répartition des espèces, comme on voit en rouge sur la carte aux États-Unis. Pour le domaine bioclimatique de la sapinière à boules jaunes, qui représente la forêt mixte tempérée du Québec, ce sont les conifères boréaux qui risquent d'être les plus touchés par les pertes d'habitat à long terme, comme le montrent les projections de Catherine Perrier et ses collaborateurs. Par exemple, le sapin baumier, l'épinette blanche, l'épine rouge et le tuya prévoient leurs conditions d'habitat projetées moins favorables à long terme. Pour d'autres essences,
comme le pain blanc, le pain rouge, le bouleau jaune, l'érable à sucre, les conditions projetées sont favorables. Et ce sont des espèces qui sont déjà présentes au sein du domaine bioclimatique. Et enfin, on prévoit que les conditions deviendront favorables à de nouvelles espèces comme le chêne rouge, le cerisier tardif et le carrier ovale. Considérant ça, la question qui se pose est, devrait-on faciliter le déplacement de certaines espèces avec la migration assistée? La migration assistée est en fait l'une des mesures les plus recommandées pour aider nos forêts à composer avec les conditions futures. Toutefois, on en sait encore très peu sur les conditions de succès et les impacts potentiels sur l'environnement. Le projet de migration assistée que je vous présente aujourd'hui fait partie de la stratégie d'adaptation de transition du port folio d'approche de Millaréal, qui est une approche conceptuelle d'adaptation au changement climatique. En pratique, le déplacement d'espèces et de provenance pose plusieurs défis de mise en œuvre. Parce qu'il y a plusieurs facteurs abiotiques et biotiques qui vont influencer le succès d'établissement des semis, comme le microclimat, la concurrence végétale et le broutement. En forêt aménagée, il est possible d'intervenir pour influencer ces facteurs. Par exemple, avec les traitements sylvicoles, on peut manipuler les conditions du couvert forestier et influencer le microclimat. Avec ce projet, nous visons à étudier l'effet de chacun de ces filtres biotiques et biotiques, ainsi que leurs interactions sur la survie, la croissance et les caractéristiques des plantes. Puis la compréhension de ces interactions va nous permettre d'aider à développer des scénarios sylvicoles pour optimiser le succès de la migration assistée. En plus de la problématique de vulnérabilité au changement climatique et du manque de connaissances sur les effets de la migration assistée, une portion du territoire de la forêt mixte est occupée par des peuplements qui sont considérés dégradés à cause des interventions passées qui ont altéré leur production, leur qualité et leur composition. Donc, bien que nos connaissances pour réhabiliter ces peuplements-là sont encore en développement, on sait que la gestion de la végétation concurrente en sous-étage et aussi la plantation font partie des stratégies sylvicoles qui peuvent être employées. C'est donc dans ce contexte que nous avons établi en 2018 un premier dispositif expérimental dans la réserve faunique de Portneuf, au cœur même de la sapinière à bouleau jaune, le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune. L'équipe de recherche scientifique est initialement composée de collègues du USDA Forest Service, Alexandro Royo, ici présent d'ailleurs, Crystal Kern, du ministère, il y avait Daniel Dumais, Catherine Perrier, Émilie Champagne et de l'Université Laval, Jean-Pierre Tremblay et Alison Monson. Donc, avec ce projet, nos objectifs généraux sont de tester en conditions opérationnelles la migration assistée d'espèces et de populations pour favoriser d'une part la résilience et l'adaptabilité au changement climatique, améliorer la qualité et la production des peuplements dégradés et développer des scénarios sylvicoles impliquant la migration assistée. Comme prédiction, nous prévoyons que la survie, l'acclimatation et le développement des plants seront inversement proportionnels à la distance de déplacement, ce qui signifie que les plants les plus méridionaux devraient être initialement moins bien adaptés à leur nouvel environnement et plus susceptibles aux effets des stress comme la concurrence végétale et le broutement. On prévoit aussi que la présence d'un couvert forestier partiel aidera davantage les plants les plus méridionaux à s'acclimater à leur nouvel environnement et que l'intensité du broutement variera en interaction avec les conditions de couvert arborescent et arbustif. Pour tester ces prédictions, on utilise un plan d'expérience factoriel en tiroir qui teste les effets des traitements du couvert. Soit on a une plantation à découvert dans une coupe totale où tous les arbres ont été récoltés et la plantation sous couvert forestier partiel d'une coupe progressive régulière.
Ensuite, en sous-traitement, on teste l'influence des herbivores, c'est-à-dire des cervidés qui sont dans la région, le cerf de Virginie et l'orignal. Donc, dans la moitié des unités expérimentales, on a installé des grands exclos, des grandes clôtures en acier galvanisé. Donc, on a le traitement exclusion de cervidés et non-exclusion. Puis ensuite, en sous-sous-traitement, on teste les effets de la végétation concurrente, soit en ayant dégagé l'ensemble des semis plantés par des broussaillages ou en laissant la végétation concurrente pour servir de témoin. Enfin, dernier niveau de traitement, on a planté des plants de 11... de 9 espèces différentes, mais de 3 analogues climatiques différents, soit analogues correspondant au climat actuel, au climat de 2050 et au climat de 2080. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Donc, nos espèces, les espèces qu'on a plantées sont du côté des feuillus, le cerisier tardif, le chêne rouge, l'érable à sucre et le carrier ovale, ainsi que du côté des résineux, le tuyau occidental, l'épinette blanche, l'épinette rouge, et nous avons aussi le pin rouge et le pin blanc. Bon, évidemment, l'implantation d'un tel dispositif expérimental nécessite beaucoup de temps, d'énergie et d'argent aussi. Et on a commencé bien avant 2018 là, les travaux reliés à ce projet-là. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Tout d'abord, il a fallu déterminer d'où proviendraient les semences et on a fait le calcul des analogues climatiques pour pouvoir déterminer d'où viendraient ces semences-là. Ce calcul a été fait par Catherine Perrier et Travis Logan de chez Uranos. Pour ce faire, on a utilisé les données du GIEC et différents scénarios de forçage radiatif allant de optimiste à pessimiste. Là, je n'entrerai pas trop dans les détails techniques pour le moment. Ensuite, on désirait trouver les localisations géographiques qui ont actuellement les conditions similaires de température annuelle moyenne, de précipitation annuelle moyenne et de température minimale du mois de mai, qui correspondent à celles projetées pour notre territoire d'étude en mi-siècle et en fin de siècle. Nous nous sommes basés sur des cartes de matrices de similarité de RCP 4.5 et 8.5 pour choisir les provenances des plants. Voici un exemple à l'écran d'un analogue que j'ai utilisé pour vérifier la compatibilité des semences que j'ai trouvées. On parle de l'analogue 2080. Donc, les zones en bleu sont les secteurs qui ont une plus grande similarité, puis les zones en rouge, celles où on a la moins grande similarité. Une fois ces calculs faits et la production des cartes, on doit trouver les semences qui concordent avec les analogues climatiques. Et ça, vraiment, c'était l'une des parties les plus difficiles dans ce projet. Mais enfin, on a réussi à trouver, grosso modo, les sources de semences du climat actuel proviennent de la région de Québec, en vert, comme on voit en vert sur la carte. Les sources de semences analogues au climat de mi-siècle proviennent du sud du Québec, principalement en Estrie, en orange sur la carte. Et pour l'analogue 2080, on est allé dans différents États américains. Pennsylvanie, on a les feuillus qui viennent de Pennsylvanie, le pin blanc de New York, les épinettes du Maine. Et on a le pin rouge et le tuya qui viennent de la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse. Fait à mentionner, on n'a utilisé que des semences de sources naturelles, donc qui n'étaient pas améliorées génétiquement. Lorsque possible, le plus simple était d'utiliser les semences banquées au Centre de semences forestières de Berthier et au Centre national de semences du Canada de Fredericton, qui ont collaboré super bien à ce projet-là. Pour les essences feuillues, comme le chêne et le carrier ovale, c'était une autre paire de manches. On a dû faire affaire avec des cueilleurs l'automne précédant la production de plants parce que ces semences-là ne se conservent pas après le printemps.
Enfin, on a réalisé différents tests de germination en chambre de croissance pour les résineux pour vérifier que nos semences étaient bonnes parce qu'elles n'étaient pas toujours. Et pour le chêne, on a fait un test de flottage et de coupe pour vérifier la qualité de nos chênes, de nos glands de chêne. Les plants ont été produits dans des conditions similaires à la pépinière de Berthierville, que je salue. S'ils sont présents, ils ont été vraiment des super bons collaborateurs dans ce projet-là. Les semis d'essence résineuse ont bénéficié de 2 saisons de croissance pour atteindre les dimensions que l'on souhaitait. Nous, on voulait produire des plants de fortes dimensions parce qu'en forêt mixte, on a choisi des sites riches où il y avait beaucoup de concurrence végétale. Donc, on voulait avoir des gros plants. Ensuite, donc pour la production de plants, les semis ont été ensemencés en 2017 dans des microcellules, comme on voit sur les deux images du haut. Ça s'est passé en tunnel de croissance. Puis ensuite, les micro-carottes ont été transférées dans des contenants pour produire des plants de forte dimension et la croissance s'est poursuivie au champ. Il me semble que c'était en juin. Les semis feuillus ont été produits en tunnel de croissance et n'ont eu besoin que d'une seule saison de croissance, à l'exception du carré ovale, qui lui, pour des raisons, puisque ce n'était pas possible de le produire en contenant, il a été produit au champ en racines nues et ça nécessitait 2 saisons de croissance pour produire ces plants. Et c'est pour cette raison que cette espèce a été plantée un an après les autres, soit au printemps 2020. Parallèlement à ça, on a réalisé plusieurs étapes pour en arriver à l'établissement du dispositif expérimental en forêt. Puis ici, je salue le travail de toute l'équipe technique qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied. Tout d'abord, recherche de sites, inventaire avant coupe. Et il y a aussi les coupes totales, les coupes progressives qui ont été réalisées en 2017. L'année suivante, en juin, il y a eu le scarfiage dans les coupes totales, parce qu'il y avait trop de déchets de coupe pour effectuer la plantation. Donc, on a eu un scarfiage par sillon. En juillet, il y a eu la pose des exclos par un contractant sur la moitié de la superficie des traitements de coupe. Et ce n'est qu'enfin, au mois d'août de 2018, qu'on a pu procéder à la plantation. Cette année-là, 9 essences, 3 analogues climatiques et plus de 9000 plants la première année pour un total au-dessus de 10 000. C'est vraiment quelque chose, beaucoup de travail. Ce qui est intéressant dans notre design expérimental, c'est qu'on, pour chacune des 24 combinaisons de traitements, on avait 12 lignes de plantation qui comprenaient chacune 9 plants. Donc, ça nous permettait pour chaque ligne de plantation d'avoir 9 essences différentes plantées en mélange et choisies aléatoirement. Et pour compléter l'établissement du dispositif expérimental, cette année, on a eu un traitement de contrôle de la végétation concurrente, soit un dégagement mécanique réalisé avec une débroussailleuse. Depuis 2018, il y a différents suivis qui ont été effectués, c'est-à-dire depuis la plantation, on a vérifié l'état, la survie qui a été vérifiée au printemps et à l'automne de chaque année. On a évalué la croissance. Il y a mon collègue Daniel Dumais qui étudie l'acclimatation physiologique des plants. Et on a également des stations météo pour vérifier les effets des traitements sur les conditions micrométéorologiques. Maintenant, c'est le temps de passer aux résultats. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter en primeur les résultats initiaux, soit 2 ans après la plantation. Et pour ce faire, j'ai utilisé les données de l'automne 2020. Tout d'abord, voici un portrait de la situation dans l'ensemble du dispositif. On constate qu'il y avait un 10 % de semis qui étaient morts ou disparus. Une petite proportion là, a été coupée lors du traitement de débroussaillage, mais ce n'était pas majeur. Et donc, on avait un taux de survie de 90 % après 2 ans, ce qui est vraiment, à mon avis, excellent, parce que les gens m'avaient dit avant l'expérience, plantant beaucoup des arbres, là, probablement qu'il va y avoir beaucoup de mortalité. Donc, je pense que les résultats sont assez intéressants.
De ce 90%-là, on avait un 50% qui était en état parfait, là, sans aucun défaut, aucune perturbation, et un 40% tout de même qui avait subi certaines perturbations. Voici le portrait de ces perturbations. Les deux principaux dommages observés étaient la mort de la flèche terminale et le broutement par les herbivores. Les taux de survie étaient généralement élevés pour l'ensemble des espèces, mais je vais me sortir un petit pointeur, mais étaient légèrement inférieurs pour le cerisier tardif avec 80% de survie et le carrier ovale avec 86%. Mais le carrier, évidemment, c'était juste un an après, après plantation. Excusez. La proportion des plants avec défaut était, quant à elle, un peu plus variable et semblait plus élevée chez nos plants d'essence feuillue, nos nouvelles espèces feuillues, le carrier ovale, le cerisier tardif et le chêne rouge. Si on regarde de plus près les deux principaux défauts observés, soit la mort de la flèche terminale et le broutement, on voit du côté de la mort de flèche terminale a été plus souvent observée chez les espèces feuillues, le carrier, le cerisier, le chêne rouge et l'érable à sucre. Il me reste encore du travail à faire au niveau des analyses, mais les données préliminaires indiquent que pour l'érable à sucre et le chêne rouge, les dommages à la flèche terminale étaient plus fréquents dans les coupes totales que dans les coupes progressives régulières. Donc, le couvert partiel a pu faire une différence en tempérant le microclimat pour ces espèces. Donc, ce sera un aspect à vérifier et développer. Pour ce qui est du broutement, nos données montrent que les pins étaient particulièrement broutés, le pin blanc et le pin rouge. Et aussi, nos données préliminaires montrent que le broutement tendait à être plus important sous le couvert partiel de la coupe progressive régulière. Donc, peut-être à cause d'une présence accrue d'herbivores, c'est aussi un aspect là, qui méritera d'être étudié plus en profondeur. Pour ce qui est de la performance des plants, j'ai analysé l'effet des traitements de coupe, d'exclusion des herbivores, des cervidés, et de l'analogue climatique sur le diamètre au collet, c'est-à-dire le diamètre au niveau de la terre, et la hauteur totale. L'effet de la coupe, c'est vraiment intéressant de voir que l'effet de la coupe est ressorti significatif pour toutes les espèces. Là, je dois dire que pour cette série d'analyses, je n'ai pas inclus le carrier ovale, étant donné qu'on avait juste une saison de croissance. Donc, c'est ça. On avait la coupe qui avait un effet significatif et donc les plants avaient un diamètre plus gros dans les coupes totales que dans les coupes progressives régulières. Là, dans la coupe totale, évidemment, il y a plus de lumière, il y a plus de ressources disponibles. Donc, ce résultat-là n'est pas surprenant, mais c'est intéressant de voir qu'il est significatif pour toutes les espèces. On peut aussi voir que la magnitude de l'effet était plus importante chez les épinettes, l'épinette blanche, l'épinette rouge, les pins et le tuya. Donc, chez les semi-résineux et aussi chez le cerisier tardif, qui est une espèce intolérante à l'ombre. Donc, pas de surprise là. Mais ça s'explique. On avait aussi un effet de l'analogue climatique qui était significatif pour 5 des espèces, soit les 3 feuillus, le pin blanc et le tuya. Pour les feuillus et le tuya, l'analogue 2080 tendait à être plus petit que les autres analogues. Donc, ce sont pourquoi? Il se pourrait que ce soit parce que ce sont les espèces qui proviennent des semences les plus lointaines, qui proviennent des états les plus lointains. Le cerisier tardif, le chêne rouge et l'érable à sucre viennent de la Pennsylvanie, le tuya vient de la Nouvelle-Écosse. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi, on a observé en pépinière que certaines combinaisons espèces provenance, c'était plus difficile à germer, comme le tuya et le cerisier tardif 2080 ont eu beaucoup de difficultés
à germer, ils ont germé un petit peu en retard par rapport aux autres, puis ont accumulé du retard dans leur production. Donc, les semis étaient initialement un petit peu plus petits. Pour le pain blanc, ben, on observait la tendance contraire, soit c'était l'analogue 2017, le climat actuel, les semis de provenance locale qui avaient un diamètre plus petit que ceux de 2080. Pour ce qui est de la hauteur totale, un effet significatif de la coupe a aussi été observé chez toutes les espèces, sauf le chêne rouge. Et il se traduisait aussi par des dimensions plus grandes en coupe totale comparativement à la coupe progressive régulière. Il faut dire qu'il y a un bon nombre de semis de chêne rouge qui ont subi des dommages à la flèche terminale au printemps 2020. En effet, les semis avaient débourré, puis là, il y a eu un épisode de gel. Et donc, la flèche terminale est morte. Donc, ils ont dû se refaire une flèche, ce qui peut expliquer l'absence de différence dans la hauteur totale pour cette espèce. Pour deux des espèces, il y avait une interaction significative entre les effets du traitement de coupe et ceux d'exclusion des cervidés, soit le tuya et l'érable à sucre, ce qu'on va regarder maintenant. Et pour les deux espèces, les tendances étaient inverses. Le tuya qui croissant en coupe totale était plus grand dans les exclos où les cervidés étaient exclus. On peut donc penser que la présence des cervidés a diminué la hauteur totale des plants à découvert, donc à l'extérieur des exclos. Et sous le couvert de la coupe progressive, il n'y avait pas de différence significative. Donc, pour l'érable à sucre, c'est l'inverse. Il n'y avait pas de différence significative dans les traitements d'exclusion des cervidés dans les coupes totales, mais il y avait une différence dans la coupe progressive, où les plants étaient plus grands lorsque les cervidés n'étaient pas exclus. Donc, c'est un résultat pas nécessairement attendu. Pourquoi? Il se pourrait qu'il y ait eu un effet de facilitation par les cervidés qui broutent et diminuent l'abondance de la végétation concurrente dans le sous-étage, dans le sous-bois des coupes progressives régulières. Donc, ce sera un aspect qui va être vraiment intéressant de surveiller là, au cours des prochaines années. Enfin, dernière série de résultats, l'analogue climatique était aussi significatif pour la hauteur totale de 5 espèces. Pour le cerisier tardif, l'érable à sucre et le tuya, on observe la même tendance que pour le diamètre au collet, soit des plants plus petits qui tendent à être plus petits avec l'analogue 2080. Pour l'épinette blanche et le pin blanc, ce sont les plants de 2017 qui tendaient à être plus petits que ceux de 2080. Donc, on a vu, en résumé, que les taux de survie initiaux ont été en général très bons, même chez les espèces et les analogues les plus méridionaux. Par contre, ceux-ci semblaient être un peu plus vulnérable au stress. C'est un aspect qu'une de nos nouvelles étudiantes au doctorat va étudier dès cette année. On a aussi vu que le traitement de couvert de coupe, en fait, a eu plus d'effet sur la performance des plants que les autres traitements. Puis je pense qu'il sera quand même intéressant de voir les effets des traitements d'herbivorie dans le futur en interaction notamment avec les traitements de coupe puis les traitements de contrôle de la végétation concurrente. Évidemment, ce sont des résultats à très court terme, donc il faut être prudent dans leur interprétation, puis surtout ne pas tout généraliser. C'est important de continuer à effectuer nos mesurages, nos suivis. Donc, le projet se poursuit et il prend même de l'expansion. Ce qui m'amène à vous parler du projet complémentaire que nous avons développé en partenariat avec l'Université Laval. On a d'ailleurs eu un financement du programme Alliance avec ce projet-là qui est dirigé par Alison Monson. C'est un projet qui va approfondir les impacts environnementaux et sociaux de la migration assistée. Donc, à l'équipe de chercheurs initiale s'ajoutent Marc Mazerolle, Mathieu Bouchard,
Jean-François Bissonnette et Lou Bernier de l'Université Laval, Jean-David Moore du MFFP et Emmanuel Corquet de l'Université de Bordeaux. Le financement du programme Alliance et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs permettra de réaliser 4 projets de maîtrise et de doctorat. Donc, un premier projet de doctorat de Thaïs Reis Prado, qui a déjà commencé avec nous, va étudier la vulnérabilité au stress par l'étude de différents traits clés. Ensuite, on a un projet de maîtrise ou doctorat sur les interactions trophiques avec Marc Mazerolle et Mathieu Bouchard. On est en recrutement, alors si jamais le projet vous intéresse, si vous intéresse de faire des études supérieures, vous pouvez nous contacter. On est encore en recrutement. Pour le projet, troisième projet sur l'acceptabilité sociale, on a le projet de Felipe Moreira. Et ensuite, on a le projet de Julia Brahim qui étudie le micro des biomes des feuilles et des racines en lien aussi avec les différentes chaînes trophiques. Et c'est un projet qui est une co-tutelle Université Laval, Université Bordeaux. Donc, on a bien hâte de voir ce que tout ça va donner. Ils vont commencer les travaux de terrain cette année. Mais ce n'est pas tout. D'autres dispositifs expérimentaux seront établis avec un design expérimental similaire. On a une étude de jumelles qui est en cours d'établissement au Wisconsin grâce aux efforts de Crystal Kern et Alexandro Royo. Ça sera un dispositif en forêt feuillue, comme on voit sur la photo ici. C'est le site de Pine Popple qui a été retenu. Ils sont en train de calculer les analogues climatiques, planifier la production de plants et les inventaires avant coupe. Donc, ça progresse bien. Évidemment, ils souhaitent avoir davantage de financement pour lancer le tout, mais c'est en voie d'être une réussite. Et aussi, enfin, nous, à la direction de la recherche forestière, on prévoit établir un nouveau dispositif en forêt feuillue au cours de la prochaine phase de 5 ans. C'est donc un projet à suivre. Puis, j'aimerais terminer en remerciant tous les collaborateurs. Un gros merci spécial à notre équipe technique qui travaille très fort et aussi au personnel de la pépinière de Berthierville. Bon, j'ai un visiteur. Sur ce, moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Je pense qu'on a amplement de temps là, pour avoir des bonnes discussions. Voilà. Merci, Patricia. Je pense qu'on a déjà... vous pouvez aller dans le chat pour poser des questions ou... si vous connaissez le petit main levé, c'est aussi une bonne façon. Je vais surveiller les participants pour regarder les mains levées, le petit main bleu. Donc, la première question est de Karen Anikou. Avez-vous des différences sur la compétition et la nappe phréatique entre coupe totale et coupe partielle? Oui. Oui, clairement. Ça dépendait évidemment, il y avait quand même de la microtopographie dans nos sites, là, mais dans les coupes totales, il y avait des petites zones d'accumulation d'eau qu'on n'avait pas nécessairement là, dans la coupe progressive régulière. Puis au niveau en ce qui a trait à la concurrence végétale, on voyait des photos à la fin là, dans les coupes, là, c'est déjà rendu plus d'un mètre de haut. Alors que ce n'est pas le cas dans la coupe progressive régulière. Mais on va avoir des données pour appuyer ça, évidemment. Mais je ne suis pas présente aujourd'hui. Et une question de Christophe Plomion de la France. Donc, dommage sur le flash terminal. Et est-ce que la variation entre espèces est en lien avec des niveaux de résistance à la cavitation différents? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Bonjour. Merci d'être là et merci pour votre question. Ce serait une bonne question à étudier. On n'a personne qui s'est penché là-dessus. Excellente question, je ne sais pas. Oui, il y a une autre étude
dans les gens parmi nous, avec Morgan qui regarde un peu la résistance à la cavitation de différentes espèces dans la forêt tempérée nordique. Donc, on aura les réponses à ça en conditions contrôlées dans les prochaines années. Elle est au travail avec un manuscrit là-dessus. Pas toutes les espèces qui sont dans le dispositif de Patricia, mais plusieurs. Mais on avait discuté aussi avec Catherine la possibilité de collaborer en lien avec ce projet. Donc, effectivement, qu'il y aurait une belle occasion là de synergie. Oui, surtout si on a une année de sécheresse, ça pourrait être vraiment, oui. Vraiment intéressant. Oui. Il y a, donc, la question pourrait être à la fois entre les espèces et aussi la composante génétique, puisque vous avez plusieurs provenances géographiques. Oui, justement, communes. Oui, justement, les provenances. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est une question intéressante à double titre, celle de la résistance qui est peut-être déjà connue ou déjà quantifiée. Hein, je ne sais pas, il faudrait peut-être regarder dans les bases de données de traits, peut-être, qui sont disponibles. Il y a peut-être ces données voilà, sur ces espèces. Morgan peut peut-être répondre à ça, s'il veut. Oui, sur certaines, on a certaines essences en commun avec Patricia dans le projet avec Alison et Catherine Perrier. Et on a monté un laboratoire là, pour mesurer justement la résistance à la cavitation. Et puis là, je suis en train de tout comparer avec la littérature justement et avec les bases de données. Donc pour l'instant, on n'est pas encore au niveau génétique. Je suis au stade aussi de mesurer l'emboline native dans des conditions contrôlées, mais oui, ça serait vraiment intéressant de relier. On est collègues de travail, donc on discute, puis plus tard, là, ça serait vraiment intéressant de travailler ensemble et de voir comment les mesures, les faire par rapport au dispositif de Patricia. Bonne idée. Oui, merci de la question très pertinente. Eric Normando, est-ce qu'il y a dans le framework de migration assistée des dimensions liées à l'alimentation, par exemple les arbres à fruits, noix, fibres, donc plus les... Oui. Est-ce que votre question porte sur le framework de Milan Real ou de notre projet? Je ne sais pas si on peut m'entendre, plus en général, là, dans le framework de toutes ces idées-là qui ont rapport avec se préparer pour le climat de demain en transportant des espèces. Oui, ben, je pense que ça fait partie des préoccupations. Quand on a choisi les espèces pour ce projet, on a pensé aux espèces importantes qui avaient une importance au plan écologique et économique, mais effectivement, c'est vraiment une... Oui, je pense que c'est important. Je ne suis pas très précise dans mon élaboration, mais disons que je pense que... Non, ben, tu sais, je vais réfléchir un petit peu. Mais tu sais, s'il y a des espèces qui produisent des graines et qui disparaissent, mais il faudrait penser à une espèce de remplacement. Donc, je pense que dans le cas présent, on a le carrier ovale qui a des semences comestibles. Je pense que ça peut être intéressant, effectivement. Oui, André et ensuite Simon. André, Monsieur Fortin? Oui. Simon. Alors, vous m'entendez? Oui. Alors, vous ne serez pas surpris que je vous parle de mycorhize? Non. Non, ça, c'est une variable incroyable dans ça. Puis, il y a une forme de mycorhize arbusculaire. Les champignons mycorhiziens, des chênes puis des pins blancs, c'est un monde différent, puis encore avec les épinettes. Alors là, il y a une autre dimension qui est plus difficile peut-être à intégrer, mais qui est quand même importante. Il y a aussi toute la question du travail de Mohamed Amamedi qui montre que les plants qu'on produit habituellement, ça ne fait presque pas de mycorhize. Alors en mettant de la calcite dans la production des plants, à ce moment-là, les plants deviennent très fortement mycorhizés. Alors ça pourrait être une variable qui va avoir beaucoup d'importance. Ça va prendre plusieurs maîtrises. Ah ouais, je voulais juste signaler cette chose-là. Merci, hein? Merci, André. Oui, c'est un bon point.
Oui, certainement. On a besoin de chercher d'autres financements pour plusieurs aspects. Donc, Simon? Oui, ben c'est bien que je suive M. Fortin. On pourrait croire que c'est arrangé parce que j'allais un peu dans ce sens-là. J'allais demander si vous aviez évalué un peu l'influence du microbiome du sol en comparant le microbiome des semences d'origine versus celui où ils ont été implantés. Puis sinon, ben, ça avait été envisagé de l'évaluer parce que je sais que, par exemple, dans le cas des plantes envahissantes, mais ça peut être un facteur qui va jouer un énorme rôle, non seulement au niveau des organismes facilitateurs comme les mycorhizes, mais aussi au niveau des maladies. Donc, je me dis que ça peut être un aspect qu'on peut utiliser nous autres aussi dans notre migration assistée. Bref. Oui, peut-être je laisse soit Louis ou Julia répondre à ça parce qu'ils vont être les experts sur cette question. Louis, veux-tu répondre ou Julia? Je peux dire un petit mot, oui, dans le cadre du dans le cadre des études de microbiome, évidemment, on s'intéresse au microbiome, donc autant à la partie fongique qu'à la partie bactérienne. Donc, ça va être vraiment, on va essayer d'explorer le plus possible la diversité microbienne qui est là. Dans les hypothèses qu'on a, c'est que les microbiomes bactériens et fongiques pourraient réagir de façon différente. Parce qu'on regarde la littérature, là, il semble y avoir parfois un peu des contradictions entre certaines études et ça dépend souvent sur sur quel type, justement, sur quelle composante du microbiome ils se sont penchés. Mais on pense effectivement, on pense qu'entre autres, les provenances pourraient avoir une influence, justement, sur les microbiomes qu'on va voir in situ. Évidemment, pour l'instant, les échantillonnages ne sont pas encore commencés. Ça va commencer cet été. Alors, si vous réinvitez Patricia l'année prochaine, ou dans 2 ans, ben là, pour la partie microbiome, on aura plus d'éléments à mettre parce qu'on aurait des données, entre autres sur la réaction du microbiome face aux différents traitements, mais peut-être éventuellement aussi sur l'effet que le microbiome sur la performance des plantes et sur les interactions atrophiques. Karen, je pense que tu as la petite main levée. Ah, OK, c'est à mon tour. OK. Je reviens sur la triste histoire de la mortalité des apex là, de chêne rouge puis d'érable à sucre. Expérience terrain qui parle. Les chênes rouges, les érables à sucre, c'est ce qu'on plante, ce qu'on essaye de planter dans le sud du Québec déjà. Depuis plusieurs années. C'est des essences très sensibles à la qualité de la plantation. les racines, la minute que les racines ont un problème, ont été coupées par la pelle ou sont compactées parce que le coup de pied a mal été donné ou que le sol n'a pas bien été fermé sur le collet du plant, surtout quand ils sont gros, là, c'est compliqué. Mais on voit là, qu'il y a une sensibilité plus élevée là, que les résineux ou autres. Donc, je voulais juste partager ça. Intéressant. Okay. Bien, en fait, nous, on a vraiment assuré la qualité de la plantation. Puis, merci l'information, mais je ne pense pas que c'était un facteur important dans ce projet-là. C'est vraiment, l'automne avait été chaud, l'automne dernier, mais mettons 2019. Dans le cas des chênes, il s'était refait un nouvel apex, mais ouais. Celui-ci n'était peut-être pas suffisamment endurci quand l'hiver est arrivé. Mmh. Donc, c'est le genre de dommages qu'on va peut-être observer aussi pour les analogues climatiques le plus méridionaux. Oui, alors, la plantation, tu avais dit qu'elle s'était faite dans l'été ou dans l'automne, comme tu dis, la mise en terre, là, dans le fond? On l'a fait, la mise en terre a été faite à la fin de l'été. D'accord. Fait qu'on avait passé là, les périodes de sécheresse. Là. Oui, mais c'était un été hyper sec, mais dans le fond, c'était une bonne chose qu'on ait planté à la fin de l'été parce que les plants n'auraient pas eu d'eau du mois de juillet ni août. Ben, c'est ça. Dans une autre expérience que je connais,
ont été plantés dans les 3 semaines de sécheresse de l'année passée. Puis, ben, c'est une chose à ne pas faire. Tu sais, c'est sûr que ça engendre des biais après sur le taux de survie. Mais en plus, on n'a pas fait exprès de planter. Tu sais, normalement, on a tendance à planter en mai, mais pour des raisons de production, la pépinière a vraiment forcé pour être capable d'avoir les plants de résineux en 2 saisons de croissance, puis ils étaient prêts juste au mois d'août. C'est pour cette raison-là qu'on les a plantés aussi tard, mais ça a été une bonne chose, finalement. Finalement, oui. Parfait. Sergio. Bonjour, Patricia. Ma question est un petit peu plus large, à plus long terme. En effet, je voulais savoir si entre les espèces que vous avez testées, vous aviez déjà des préférences. Ça veut dire, je serais bien content que cette espèce-là puisse performer mieux que les autres parce que je pense que ça pourrait être mieux dans un contexte de production ou de biodiversité ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que les résultats vont dans la direction qu'on pourrait envisager ou non? Bien, moi, je pense que les résultats vont dans la direction qu'on espérait, parce que dans le fond, notre but, c'est de produire, d'avoir des plantations multi-espèces, parce qu'en ayant des plantations multi-espèces, elles sont plus résilientes. On avait aussi quand même des objectifs écologiques. Par exemple, l'épinette rouge, c'est l'essence signature de la forêt mixte. Puis, on voit que les projections ne sont pas très favorables pour elle dans le futur. Donc, si on réussit, c'est une des espèces chouchou, je dirais, si on réussit à la planter, puis à la produire, à la garder, au moins garder les sources de semences dans ces peuplements-là, futurs peuplements de plantation, bien, on va avoir réussi. Et je pense aussi que c'est les travaux, par exemple, de Loïc d'Orangeville qui montrent que le Québec peut devenir un refuge pour certaines espèces, ben, si on réussit à faire croître des chênes rouges, du carillon ovale, du cerisier tardif en forêt mixte, c'est vraiment super. Je pense que ça sera un plus pour l'avenir. Merci. Merci pour les questions. Est-ce qu'il y a une dernière petite main ou micro? Question générale sur la migration assistée. En pratique, je me demande s'il faut prévoir des avant-post-outposts pour faire monter ou descendre les espèces progressivement afin qu'on puisse bénéficier à long terme de la contribution du compartiment épigénétique en plus des adaptations méridionales façonnées au cours de l'évolution. Est-ce qu'il y a ce type de réflexion sur la mise en place d'avant-postes du changement climatique du sud au nord au Canada? Oui, je pense qu'il y a effectivement plusieurs chercheurs qui travaillent là-dessus. Au ministère aussi, ils sont en train de travailler sur une stratégie de migration assistée. Puis là, je pense qu'on est plus dans les questions, considérations génétiques, production de plants. Ce n'est pas nécessairement l'objet de ce projet-là, mais effectivement, il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent à ça et qui planifient, parce qu'il y a quand même des risques à la migration assistée. Tu sais, c'est aussi, ça représente aussi des grands investissements. Donc, on ne veut pas que les plantations qu'on fait soient des échecs. On veut que ça fonctionne. Mais je ne sais pas si, Alison, tu veux ajouter quelque chose pour répondre plus directement à la question. Mais il y a des provenances qui sont bougées du sud vers le nord actuellement au Québec et beaucoup plus même en Colombie-Britannique. Donc, il y a plus l'accent à date, c'est plus sur les provenances. Par exemple, faire monter des épinettes du sud plus vers le nord et voir leur performance dans les prochaines années. Et beaucoup de ça déjà à l'ouest. Ils ont probablement plus de résultats comme Sally Aitken sur ça. Moins avec les espèces, disons. Donc, Patricia est parmi les premières, en tout cas au Québec, de faire monter des espèces. Mais ça va pas tarder, je pense. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'idées. Il y a encore une réflexion, par exemple,
plus global à faire et comme justement quand on dit un framework là, avant de trop embarquer là, qu'il y a une stratégie du ministère pour cadrer ça avant qu'on aille trop loin. Et ça, on n'a pas encore un cadre pour le faire. Plus pour les espèces, disons. Pour les provenances, je pense probablement, mais pas pour les espèces. Ouais. En tout cas, les expériences que vous mettez en place, elles vont avoir vraiment un intérêt stratégique à long terme parce que, en fait, l'adaptation via l'hybridation, donc ici, on a bougé des espèces méridionales qui vont pouvoir s'hybrider avec les espèces locales. Mm-hmm. Et ben, ça peut donner des résultats surprenants puisqu'on fabrique en fait des hybrides qui n'existent pas dans la nature puisqu'ils ne se rencontrent pas quoi, naturellement. Ils ont des milliers de kilomètres de séparation, donc à moins qu'il y ait des flux de gènes aussi longs. Du coup, oui, c'est des plans d'expérience, je trouve, qui ont une valeur inestimable dans le temps, puisqu'on pourra décliner d'autres questions de recherche quand ils vont commencer à se reproduire, puisqu'ils vont être tellement contaminés, pollués par la variation génétique locale. Oui, oui, oui. Je pense, Julie aimerait peut-être intervenir pour commenter cette question. Oui, oui, oui. Oui, en fait, je voulais répondre à la question de Christophe. Mon nom qui n'apparaît pas au complet, mon nom c'est Julie Godbout, je travaille au MFFP avec Patricia sur les questions de migration assistée, mais dans l'équipe de génétique forestière. Donc, c'est moi qui est comme en charge de ce dossier-là au ministère. Pour l'instant, ce qu'on fait, nous, on a fait des recommandations pour bouger des espèces, notamment l'épinette blanche et l'épinette noire, en fonction de modèles de transfert qui ont été conçus par mon prédécesseur, donc au ministère. Donc, les modèles de transfert ont été établis à partir des mesures des tests de provenance puis des tests de provenance-descendance, en fait, qu'on a, nous, au ministère, puis on a des suivis là, depuis de nombreuses années. Ce qu'on voudrait faire, c'est appliquer cette technique-là à d'autres espèces. Sinon, la migration assistée de type assisted gene flow, là, comme vous venez de parler, on le fait déjà à l'échelle opérationnelle pour le pin blanc. Nos vergers à graines de pin blanc ont des arbres qui viennent d'aussi loin que la Pennsylvanie parce que dans les tests de provenance qu'on avait au Québec, on observait en fait ce que Patricia observe, là, les provenances du sud jusqu'à un certain point sont très performantes. Donc, pour les pins blancs améliorés qui seront plantés dans le futur, ça va être des plants un peu hybrides parce que dans nos vergers à graines, on a des arbres du Québec, donc des arbres qui ont des adaptations locales, mais on a des arbres aussi qui viennent de plus loin au sud. Donc, éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est faire un suivi de ces hybrides-là, soit dans des tests, ou en tout cas, si c'est possible de le faire dans les plantations, ça serait quelque chose aussi qui serait le fun. Donc ça, c'est toutes des questions de recherche là, qui sont sur la table. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Puis, donc, pour ça, là, je vais suivre le projet avec Patricia. D'ailleurs, Patricia, super présentation. Puis si tu veux discuter des aspects génétiques, là, fais-moi signe. D'accord. Merci, Julie. Oui, merci, Julie. C'est très, très intéressant. Oui. Donc, je pense qu'on va respecter le temps et arrêter là. Donc, merci beaucoup de monde pour être là, pour les bonnes questions, pour la bonne discussion par la suite. Bravo, Patricia, à tout le travail que ça représente, le dispositif que tu as mis en place. Je suis vraiment... Vraiment ravie de collaborer avec toi après tout ce travail-là que tu as fait. C'était vraiment très important. Les gens ne réalisent pas peut-être le montant de travail d'avance que ça prend pour faire ce genre de projet de migration assistée, toute la production de plants et comme tu dis, juste de trouver des semences. C'était énorme. Donc, bravo pour nous amener jusque-là. Puis, merci. Moi, je suis la porte-parole. Je n'ai pas fait ça toute seule. Hein. Ça aurait été impossible. Oui. Bravo à toute l'équipe.
Donc, merci à tout le monde, puis à bientôt pour d'autres recherches excitantes. Donc, merci beaucoup. Au revoir.